parole à palais.com. Nous sommes le dimanche 9 octobre 2016. C'est la deuxième sortie de Piloin Pifon pour le mois, la 37e pour l'année. Nous en profitons pour souhaiter le bonjour, le bonsoir à tout auditeur, auditrice et internaute qui trouvait yo tant à Port-au-Prince, dans tous les coins et au coin de nos villes de province, qu'un peu partout à travers cette planète-là, et qui va jamais rater pour rien au monde, Piloin Pifon, qui c'est une espèce de forum côté des dossiers d'État, des affaires publiques et les événements saillants de l'actualité de la semaine, se discutent sereinement pour l'édification de tous. Madame, Monsieur Hélène Taylor-Rigaud, c'est encore et toujours à nous-mêmes qu'il incombe de vous présenter cette émission. Et nous disons merci de nous offrir votre écoute. Actualité dans le pays d'Haïti, semaine ça, dominée par le passage de l'ouragan Matthew sous pays d'Haïti, jour mardi, qui était 4 octobre 2016, et qui occasionnait la mort des centaines de personnes et d'énormes dégâts matériels dans plusieurs régions du pays. Et situation alarmante ça, obligé autorités gouvernementales intervenir rapidement pour bailler aide et assistance à un sinistré qui est en situation d'urgence absolue dans un pile endroit, dans un pile département dans le pays. Mais de notre côté, il est important tout pour analyser non seulement la décision que le Conseil électoral provisoire en prend pour reporter sinédié élection qui était lui faite jeudi dimanche 9 octobre là, sur toute l'étendue du territoire de la République, mais aussi et surtout l'autre décision ça que le ministre de Justice là, Camille Edouard Junior prend pour le sursoir sous affaire transfert commissaire gouvernement yo, jusqu'à nouvel ordre, en raison justement de la gestion de la crise post-cyclonique et du report du scrutin préalablement prévu pour le 9 octobre 2016. Voilà, madame, monsieur, c'est surtout de cela qu'il sera question ce dimanche dans Piloin Pifon. On est nous gars avec nous, trois distingués invités. Rudy Edmé, qui c'est éditorialiste, doublé de professeur. Gaël Pinson, qui c'est président directeur général de Pinson S.A., président et directeur exécutif de la Fondation Secours Gaël Pinson, ancien chef pompier de l'aéroport international de Port-au-Prince et spécialiste en gestion de désastre. Et Christian Rousseau, qui c'est ingénieur, prof à l'université et membre parti politique Aurélien Caouan. Oudier Edmé, bonjour, bienvenue dans Piloin Pifon. Bonjour, bonjour Gaël, bonjour Christian, bonjour Delo, merci pour l'invitation. Très bien, Christian Rousseau, bonjour, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli dans Piloin Pifon aujourd'hui. Bonjour Delo, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Je salue Wilkie, qui a fait pilotage technique là, je salue Oudier, je salue Gaël. Donc, j'espère que nous avons une bonne émission aujourd'hui. Très bien, Gaël Pinson, bonjour, bienvenue dans Piloin Pifon. Bonjour Delo, merci de l'invitation, surtout que c'est la première fois que vous invitez dans Piloin Pifon. Et bonjour Wilkie, mesdames, bonjour Oudi et bonjour Christian. Et moi pense que nous allons faire une belle émission là avec tous les participants là et puis surtout point qu'on pourra débattre. Très bien. Donc en clair, nous partons là pour une belle Piloin Pifon. Oudi Edmé, écoutez. Mardi qui se passait là, pays d'Haïti, sont victimes de passage cyclone, ouragan que y aurait les Matthew. En pile monde mouri, en pile dégâts matériels, eh bien, rive fête. C'est ça que passait interpellé ou? Ah oui, oui, interpellé, parce que justement, c'est un pays qui était déjà très fragile, très vulnérable, et à la veille justement d'une élection qui était vitale pour lui. Et puis le retrouver dans une situation aussi catastrophique. Mm-hmm. Donc, il est d'autant plus interpellé que le bon blanc, on dit, a une impression de déjà-vu. Mm-hmm. Ça veut dire que l'issue prend nous dans une situation côté, où on a l'impression que nous n'avons pas paré pour type de bail ça. Et avec des populations qui, justement, ont des problèmes de préparation, éducation, leur et des phénomènes dont telle force qui a frappé. Donc, moi, quoi que lui demander qu'on y en a pour nous font réflexion sur qui j'en pour nous faire que désormais, si nous clés que nous avons une géographie assez spéciale, côté nous sous route cyclone, côté terre sous faille, ça m'a dit nous pour que tout si, nous repenser pays nous, nous repenser système éducatif nous, pour nous faire face par rapport à des situations comme ça qui de toute façon qu'on y a fait partie de l'existence nous. Très bien. Christian Rousseau, pays en jeune aujourd'hui, a vivre une situation qui est alarmante, un cyclone passé, dévasté en pile département et en pile population jeune aujourd'hui qui aux abois, qui pas connaît à quel sein se vouer. Ça vous attire l'attention, ça passe yon? Bien sûr, Taylor. Permettez-moi de commencer par vous et sympathie pour la population qui est victime, en particulier dans la zone Grand Sud.
et Jérémy, nous connaissons pour salut Torbeck, bon, pas besoin d'énumérer l'islam. Personnellement, moi j'ai des monde proches moi qui victimes, mais ça qui est plus dur, c'est que très souvent ça après qu'il n'y a pas prendre la mort par un ou parce que pas de communication avec les zones sud là. Mon monde là c'est matin pour aller, lui me connaît si on enterre papa ou pas. C'est pour dire que non seulement il y a un problème de communion dans la rue, mais même information, pas arriver à joindre la famille qui n'en reste pays. Et donc, je renouvelle la sympathie de la population Sayo et m'espère que l'élan solidarité a permis de ralentir le souffle dans sa vie, je viens de dire. Ok. Gaël Pinson, vous avez fait un désastre très très bien, pays en victime dans ce cyclone-là, et conséquences des dégâts que vous provoquez, et c'est bien en bouche. Vos impressions? Oui, Dilo, merci, mais tout d'abord, on a présenté sympathie nous à tous les parents victimes yo, dans les zones les plus affectées, Grand Sud, et Nord-Ouest, etc. Mais ce n'est pas révoltant parce que nous ne pouvons pas tirer leçon de rien. Nous, pour tremblement de terre, pas aucune leçon tirée de tremblement de terre. Le cyclone n'a pas venu là, il y a des gens qui ne sont pas même quoi, et il y a des gens qui sont des professionnels qui ne sont pas jamais quoi. Que on catastrophe comme ça t'est arrivé. Nous pas fait prévention, nous pas fait éducation. Et c'est des bagailles que maintenant là dans toute catastrophe gain opportunité, on pense que qu'on y a là, yo ka repenser vraiment au pays pour capable mettre les structures qu'il faut pour gain on base on développement durable parce que pays écrasé, gain urbanisation qui gain doit faire travailler, gain doit et on certaine mise en place gon on réveil national qui pourrait faire, mais bon, réveil national, même ça avec 2010, on réveil national qui était mort après, mais on vrai réveil national pour que les vrais professionnels de ce pays, les mondes pour capables de mettre en structure une fois pour toutes. Très bien. Dans ce sens-là, gagné un gouvernement qui montrait que le très mobilisé, d'ailleurs, il a commencé intervenu pour porter aide by victimes. Mais il y a un bagage qui attire l'attention, on dit Edmé. C'est que gain une guerre des chiffres dans affaire monde qui victime yo gouvernement laissé quoi que c'est environ 248 monde eh bien qui ta victime dans cyclone en dit qui mouri alors que la presse internationale t'a fait connaître que c'est 842 ministre intérieur là François Annick Joseph inscrit en faux contre 842 ans il persiste quoi que c'est 248 monde qui mouri votre point de vue. OK. Bon, dans bay sa yo gagné plusieurs éléments quand en jeu. Gagné sa yo l'estimation conservatrice. Ça veut dire que le gouvernement lui-même li gagné estimation pali que la PC joigne des informations au fur et à mesure. Gagné tout alors gagné l'autre estimation qui fait par média yo. Mais à partir des éléments que recueilli sous terrain. Hein? Donc entre deux bay sa yo nous-même n'attend vrai chiffre yo. Est-ce que ouais? N'attend vrai chiffre yo. Et moi comprendre que là, parce que nous sommes un pays tellement fragile et généralement avec des institutions très faibles, c'est normal qu'on ait un petit ping-pong qui a fait entre le gouvernement et de l'autre bagaille qui a tendance, justement, il y a même des données qui ont gagné. Les gouvernements sentent qu'ils ont nécessité pour prendre la main, pour le bon leadership. Okay. Ce que nous-mêmes nous souhaitons, que le bon leadership, mais un leadership qui est quand même dynamique. Okay. Ouais, parce que nous connaissons faiblesse appareil d'État gain. Et c'est peut-être ça que nous avons encouragé pour prendre le leadership là. Et en même temps, pour une sorte de task force, un groupe SOE, qui réunit l'État et des mondes, des groupes, des secteurs qui sont capables justement de souterrain. Et en même temps, on va même profiter dit, c'est le moment de renforcer les mairies de travail avec les mondes qui kazek qui là, qui eux-mêmes. Exactement en dedans la gare et qui a vécu au quotidien. Je te vois, pour nous pas faire un bagage qui est trop bureaucratique. Donc là, nous avons possibilité de gagner une structure. Le cerveau serait justement l'État, mais on l'État dans toute composante. Ce n'est pas l'État ministère seulement, c'est okay. L'État qui est allé dans la base là tout. Et ce tu vois, qui est souterrain, avec Mounio, et particulièrement, moi-même, je parlais de l'administration communale qui est importante dans le cas ça. Donc, c'est vrai que Napton, qu'au fur et à mesure, parce que tant que mon gonzin t'avait expliqué nous, off micro, que en général, c'est après qu'on finit par découvrir tout ça que tu gagnes, et même après la boue qui a caché des bagailles. Donc, moi, je pense que l'important pour nous, Napton, l'information, ce tu vois, mais nous dire oui pour le leadership de l'État haïtien, mais surtout, nous avons besoin que le leadership soit dynamique
et vraiment participatif. Mm-hmm. Christian Rousseau, en dépit du fait que c'est un bilan partiel qu'on gagne sur le nombre de victimes, ça n'a pas empêché que le débat commence à faire. Et côté la presse internationale, fait qu'on est que c'est 842 morts que le passage cyclone a provoqué, alors que le gouvernement officiellement a tenu à ce que c'est 248. Et qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi-même, permettez-moi de douter alors que je ne pense pas que c'est sur ça pour faire débat, je veux dire. Et capable de gagner des appréciations différentes, surtout, pas bien, nous autres tout à l'heure, même communication pour qu'on rétablit dans des zones, ce qui veut dire que bilan, certainement, de toute façon, la plus que 280 gouvernements. Mm-hmm. Bon, dit quelque part entre 200 et 800, mais question, je veux dire, c'est comment on a, en urgence, comment c'est pour des réponses. C'est ça qui est fondamental. Et nous croyons bon bagage que le gouvernement prend l'initiative, dit que c'est lui qui a le leadership, là, c'est normal, c'est Wally, mais l'affirmer, c'est bon, c'est déjà une bonne chose. Mais en même temps, il faut pas ça par été ou pas volontariste. Ça veut dire que il y a un paquet d'opportunités souterraines. Hein. En même temps, tout nous connaît un pile danger de détournement de fonds. Donc, c'est comment le gouvernement peut mettre en place un appareil qui permette effectivement que Edlan les organiser et y aller directement à victime. C'est ça qui est important. Okay. Moi-même, en tant qu'ingénieur, qui est préoccupé, moi, c'est que, bon, après annonce gouvernement, je m'attends à ce que déjà, ils aient mis en place un dispositif côté annoncé que mes côté des centres opérationnels à pied. Parce que, bon, nous avons des outils modernes actuellement qui permettent quand même d'identifier rapidement les zones qui vraiment affectées ou qui peuvent affecter. Et en fonction de ça, il faut le gouvernement ou un déploiement, il faut le prévoir un déploiement. Déploiement, c'est passé que il fait à travers des centres qu'on doit stocker matériel, qu'on doit mettre aux ressources humaines disponibles. Et je crois que c'est l'ensemble du gouvernement montré vraiment qu'il est en charge. Ce n'est pas seulement une déclaration volontariste. On a pris une structuration qui montrait qu'effectivement, on a pris le dossier en main. Parce que il y a un aspect qui est important, bah, c'est Valérie Numa qui a évoqué ça. Il faut éviter à faire de campement autant que possible. OK. Bah, nos capacités au construire. Parce que faut éviter à reproduire à faire camp que nous avons après 2010. Je pensais déjà, et pour la capacité ça, moi-même c'est ingénieur, je pense que le gouvernement, au lieu que le permettre chaque entrepreneur à faire un petit show par lui, que lui demande à l'entrepreneur, mon qui a une firme de construction, mon qui a une firme d'études, mettez des ressources humaines à disposition des centres opérationnels. Okay. Mais simplement, faut que les ressources humaines arrivent, ils ne débarquent pas dans le jardin. Il faut que les jeunes ont une structure d'accueil qui permet d'effectivement aider. Parce que nous avons profité, vous dites Abdel Talea, pendant que vous répondez à l'urgence, vous avez des gens autour, vous construisez mieux, ça a été gagné. Les gens ont fait trois tuyaux, c'est clair que le pas de bon, puisque même si force vent, c'est un bas exceptionnel, même penser que vous avez aidé, vous avez construit trois tuyaux, le meilleur, le plus bon. Parce que et c'est là que je pense que solidarité a dit jours de manière effective. Ça veut dire que bon, moi-même, je crois que. Gagne quand même des entreprises dans le pays qui t'apprêt à mettre des ressources humaines à disposition du gouvernement pendant un temps limité, évidemment, parce que nous pas non plus de ONG. Mais je pense que faut le gouvernement lui-même lui définit clairement besoin et lui fait appel à aide. Jean lui-même lui pense qu'il va l'organiser. Très bien. Gaël Pinson, autant des réflexions, ou dit Edmé à Christian Rousseau, sous affaire guerre des chifflants, ou du même avis que vous-même, ou bien d'avis contraire? Bon, moi je suis un Christian à 100%, mais ma fait chiffre pas intéressé, mon qui font mourir, mourir. Donc, nous bien regretter. Après, il a fait statistiques, il a déterminé que je n'avais pas les. Ce qui est important, c'est prendre les mesures immédiates de façon que nous ne pas augmenter le nombre de victimes. Et il faut que des mesures immédiates prennent. Nous avons fait bilan, après bilan, pour le rapport, pour apporter aide. Bilan qu'a fait en même temps que pour aide. Ou alors, côté qui est affecté, ou fait pour porter aide là, en même temps, on a fait bilan. Ensuite, gouvernement, Jean-Christian Tabdila, ok, il prend Bayon, mais c'est très bien. Maintenant, pour éviter problème dérapage qui était gagné en 2010, là, côté que, et c'est ONG qui a gagné contrôle tout bagaille, n'est-ce pas volé l'argent, moun n'a pas enrichi sur tête, d'accord. Mais gouvernement, ça lui-même l'a fait l'excès contraire. C'est que, il n'y a pas qu'à tout, il n'y a pas qu'à faire tout pour contre lui. Il doit mettre un bureau. Premièrement, demander, est-ce que vous avez un plan qui a suivi? Parce que, il y a un conseil de données déjà, ou bien quand, Gadaïdia, ou quel côté qui a affecté, qui côté qui a aide, parce que faut éviter, faut nous gagner aide rapide. Deuxièmement, faut nous éviter que gagner côté qui a pris deux fois, l'autre côté pour que gagne fois. Troisièmement, l'État a dépassé, il dépassé déjà, il n'est pas capable. Faut faire appel à toutes ressources locales. Faut gagner un bureau
qui là ont instance qui peuvent identifier ressources locales de façon que yo capable connait à partir de plan faut plan pas secret. Il faut que le plan soit disponible mais nous capable d'après compétence ou d'après son gain dans main pour qu'on qui côté ou cap adresser de façon que ou soulager moun parce que ça fait déjà 5 jours nous yo grand goût moun yo besoin tout bagaille et des opérations simultanées qui pour faire ce qui veut dire que ou fait en même temps que ou bay manger nourriture de l'eau gon l'autre équipe li même cap bay tolak bois parce que faut moun yo protéger kounya gwa fait toilette ou bay yo manger côté et toilette yo faut imaginer toilette parce que faut éviter de pour qu'on ait ou parle d'épidémie typhoïde c'est que ou gagner choléra et choléra ou gagner tout bay ça en même temps tout faut gagner gen lou yo qui capable qu'on a déblayer certains côtés libérer les voies d'accès pour que aide qui arrive et en même temps qu'on fait de assainissement tout bagage pour faire en même temps parce que en bas la boue on pas les victimes c'est le labo à chercher ou pas que tu es bête que tu es monde qui mourir en bas la boue et m'a regarder moi gain des reportages qu'a fait côté que moi abattre monde c'est la boue à fouer abattre monde donc ou pas venir ferme donc là qu'on a la boue à chercher bon, tout cadavre ça qui on va sortir là donc il faut que l'état Il dit oui, qu'on va être volé dans ONG au Cap Fel. Mais nous avons un exemple. Vous songez tout scandale qui était fait après tremblement de terre sous quoi rouge américain. OK? Tout détournement font tout bail. Mais le gouvernement américain observe quoi avec la croix rouge. Parce que c'est l'instance qui est là pour ça. L'équipe est pour ça. L'est là pour répondre à des as. Mais il mettait des structures de contrôle. Donc il faut que l'État fasse la même chose. Et pas parce que ça a des volets. Soit qu'il va imbécile, il va prendre. Ou même pas de contrôle, pas de gagner. Moun le volet. Ou même on connaît des volets depuis mon n'est capable si c'est volé seulement qu'on fait au okay, mettre de ce côté mais s'il y a compétence à voler mettez contrôle donc là maintenant il faut faire appel à des instances locales et internationales surtout à la portion saine de monde qui s'y a parce que même gens que gouvernement pas fait certains et instances internationales confiance c'est la même chose oui il pas fait gouvernement confiance tout. Donc il faut maintenant que il faut pas que les victimes maintenant c'est au cap subi et conséquences. Donc il faut que l'État premièrement, pour me résumer, mette un plan que l'a exécuté à que le public, que ouvert qu'on y a pour tout professionnel, monde qui capable d'aide, capable adresser à bureau ça pour dire mais qui ça me galbe et c'est tout à fait normal que quelqu'un contrôle là pour une coordination. Parce que administration extrêmement lourde, malheur mais ça arrive, Catherine arrive ici. Oui. Très bien. Christian, vous souhaitez entendre mon ajouter un bail que vous dites là, parce que c'est extrêmement important en matière de pays de contrôle. Autorité locale, elle a pour jouer un rôle fondamental dans l'aspect contrôle là. Parce que je ne veux dire, nous connaissons très bien que mairie, il n'y a pas équipé vraiment pour faire intervention, même directement. Mais moi, quoi que, si on a parlé de contrôle, c'est eux-mêmes qui ont pour rendre compte en premier devant la population. Et il est très important que vous impliquiez non seulement dans la connaissance, ça a dit tout à l'heure, la connaissance, ça a fait là, mais tout, ils sont là pour assurer de. Que aide-là effectivement arrivait sous population. De façon parce que même si au présent la structure, la population peut être un peu dur si ben, passé mal. Ok. Moi, j'ajoute un bagage. Un mot important là, qu'on a pour nous retenir, que nous dit votre table là. Coordination et contrôle. Coordination et contrôle. C'est-à-dire que nous clair que c'est important pour nous que l'État prenne le leadership là, mais nous en même temps, tout ne pas faire nos illusions, nous avons une faiblesse. Okay. Donc c'est peut-être ça que nous demandons que justement l'État joue un rôle. De coordonner bagayo et mettez pouvoir local yo en situation de enfin prendre responsabilité yo parce que gen moun ki gen mec qui veut prendre responsabilité yo donc moi c'est faut faire ça donc coordination contrôle pour éviter sa gaël ta paléa même dans des pays gen l'argent le pas gen coordination gen drame Katrina OK donc moi pense que ça nous faible pas gen moyen mais si nous coordonner parce que gen paquet moun gen paquet ressources qui voulait et faut éviter gaspillage, faut éviter double emploi. OK. D'avoir ajouté ça Christian dit qui est extrêmement important aussi au niveau des contrôles ça vous dit sorti là tout. Il faut qu'il y ait OK l'état gain contrôle général là. Il faut que mairie faut gain un poste de commande dans chaque côté gain sinistre. Et maintenant l'état lui-même gain coordination la fait base centrale là. Il faut que l'état lui-même dans aide cap vigno mais ça va avec que l'achat un système de communication pour l'indépendant de réseau et commercial yo. Faut que système communication même j'ai gain l'armée d'Haïti. Yo pas vle tande l'armée a gain rôle là ou pas gain pompier a gain rôle là parce que tout monde qui va entrer là, c'est l'armée qui va entrer, c'est pompier qui va entrer. L'île pour gain pas nous tout et système de communication extrêmement important. Collectivité territoriale, mairie
commune, magistrat, c'est yo qui a un rôle important parce que c'est yo qui sur place qui connaît exactement besoin et c'est yo même pour yo assigner des tâches. Et ça, Christian se dit à tout, c'est affaire de reconstruction. Parce que reconstruction, faut le faire d'une façon rationnelle. Parce que là, on fasse une population, en 2010, tout le caille béton crasé, qu'on y a un après Mathieu, tout le caille raché, beaucoup y a finalement qui j'ai pour le construire. Pour qui ça? Parce que pas de respect de normes, pas de code, pas de respect de construction. C'est là qu'on y a que nous faisons des bagailles définitifs. Nous devons faire des gros hangars, nous mettons mounio de gros en attendant que l'autre construction fait. Parce que font pas bien aux bagailles. Pour nous faire là, nous pas souhaiter lui, nous pas bois. Si on peut se cyclone finir, ça va passer là. Nous devons commencer à couvrir puis la découvrir. Donc il faut que l'État pense à une réponse immédiate dans ce qu'a fait là et les conséquences à très court terme. Très bien. Christian Rousseau, écoutez. La science, je ne vous dis pas même pour les avertir nous plusieurs jours à l'avance lorsque nous parlons d'un séisme. Mais météorologie, ils permettent que nous connaissons lorsque nous parlons d'un ouragan. Lorsque il y a un cyclone, plusieurs jours avant. Est-ce que pas de moyen, dans le cas où il y a un ouragan, pour délimiter les dégâts? Bon, là, on pose une question très sensible, et bien quand on pose une question comme ça, Jean, nous-mêmes, nous toujours dit, là, KO, t'es là, où il y a un pays qui n'est pas organisé pour le rendre service à la population. C'est ça pour nous comprendre. C'est-à-dire, un fonctionnement normal, pays n'a pas organisé pour le rendre service à la population. Donc là, c'est une question de système. Le catastrophe l'arrivée, évidemment, émotion, qu'on y a, c'est là que ça nous a fait être ensemble. Mais dans le fonctionnement normal, nous n'avons pas gagné aucun souci vraiment de prévention. Et ma bon exemple, monsieur, est-ce que j'ai information au passé? Moi-même, depuis samedi, annoncé, vendredi, annoncé que vous avez un cyclone. Mais n'importe qui monde qui a accès à Internet, on n'est pas majorité de population, mais on dit monde qui a accès à Internet, et je pense que les responsables politiques qui ont accès à Internet, il était clair que le cyclone, c'est juste que lundi, mardi, il a privé sous nous. Mais au connaît grand pile monde, les gens ont fait information passée, qui pensaient que le week-end a fini passé, rien pas fait. Ben, tout est fini. Alors qu'on est allé sur n'importe qui site, sur le site national Weekend Center Miami, il était tout clairement que le poco arrivait sous nous. Et grand pile moun qui baisse garde lundi. C'est bon de comment nous pas un souci ça vraiment de prévention. Parce que système là il pas design pour bon terme à la mode, il pas design pour ça. Donc ça dit c'est vrai, c'est pas du tout la même situation que dans le terre là parce que dans le terre là son événement brutal qui pas prévisible, cyclone là il gagne tout d'autant plus que son cyclone qui doit déplacer très lentement. Parce que nous, ouais, 20, parce que c'est pas non. 100 cyclones ont déplacé extrêmement lentement. C'est 8, 9 km, 9 000 à l'heure. Donc, ouais, c'est bon doux. C'est pas son machine qui peut aller sur l'embouteillage. Donc, ça veut dire que, effectivement, mais on met dessus qu'au niveau gouvernement, disposition pour t'apprendre, pour t'a préparer vraiment et arriver cyclone, non. Mais son bagon lourdeur, gon jan, gon inertie système, qui lui-même a réglé l'autre bagage pendant temps, ça, on met une autre temps avant ici qu'on a l'autre bagage qui t'a réglé. C'est pas de ça vraiment que tes priorités, il faut ouvrir devant eux. Et c'est ça qu'elle t'a dit tout à l'heure. Ben, ça a demandé toute mon éducation. Mais, faut nous pas oublier que, et encore une fois, ben, ils sont pas faits uniquement par concertation, par dialogue. Oui, il faut une concertation, il faut un dialogue, mais il faut comprendre tout que, Jean pays aïe, Jean intérêt oui dans pays aïe, avec contradiction gagne yo. Le pour prendre des décisions en faveur collectivité a, il est toujours très extrêmement difficile si pour moi à l'avance. C'est le mal arrivé que on sorte de dépassement de soi fait, mais le malheur beaucoup sur nous, chaque monde était dans défense intérieure. Très bien. Ou dit Edmé, c'est même question dans le pays d'Haïti, nous même autorités, nous même responsables, nous toujours fait bagaille donc à la 642, nous fait avec négligence compte tenu du fait que et prévision météorologique yo t'est annoncé très clairement que pral gen cyclone et cyclone nan eh bien li t'a passé pas boisite. Est-ce que à votre avis si gen t'est gagné souvelé des campagnes de sensibilisation qui t'est faite dans sens ça, est-ce que nous t'a pas arrivé en rousser tout dégâts ça yo? Et Christian Soudou qui est très important et ça Christian t'a dit très important, c'est que nous une fois catastrophe passée, eh ben nous avons tendance à recommencer vivre même genre. Et ça, c'est son drame.
Et ça, il n'y a pas un bagage qui est lié à un gouvernement, il y a la structure de l'État même. Et il y a l'autre bagage encore qui est encore plus terrible dans la question. C'est le fait que, en général, lorsqu'on structure l'État qui pendant longtemps n'a jamais occupé la population, l'on prétend pour occuper dans la période de crise là, confiance n'a pas marché. Ok. Ça veut dire que l'autre dit mounan. C'est-à-dire que mounan a une question de crédibilité par rapport à rapport à l'État même. Est-ce que tu vois? Il y a des problèmes d'éducation, certes, quand nous avons fait de pas jamais connaître. Ça, c'est son premier aspect. Un deuxième aspect qui c'est le fait que nous pas organisés, c'est-à-dire que justement catastrophe là pas fait partie de vie nous côté dans l'école ou entraînement est-ce qu'on comprend dans des zones c'est-à-dire que il y a des pays comme au Japon ou dans l'autre pays côté justement mounio apprendre qu'on est que si il y a un problème mais ça n'a pas fait mais nous-mêmes nous fait 48 heures à l'avance est-ce que ouais donc là gon problème est-ce que ouais et dernier élément c'est que le l'État a parlé gon paquet moun qui pas quoi ça qui explique ça confiance crédibilité est-ce que tu vois confiance crédibilité ensuite tu vas m'occuper ça qui passe là brusquement quand comme tu écris non texte même dit comment est un prédateur réputé prédateur qui a un protecteur brusquement est-ce que tu vois. Donc, dans le sens pas, il n'est pas fini de saisir. Et en même temps, les gens disent, qui te dit qu'il y a là, il y a une volée, encore à faire insécurité. Si je suis allé, elles sont comprenées, je suis perdu, si ça me gagne. Si je suis noir, abri tout, qui sont abri provisoire, il y a même lié, il va en manger. Il ne dit que c'est ça que fait forcément, non? Mais, il y a tout un paquet de doutes. Et ça, est dangereux pour nous, comme peuple. Il est dangereux pour nous, comme nation. Pour qui ça? Parce que nous avons un problème de qui société nous voulons. Qui projet que nous gagnons, qui l'État que nous gagnons, et qui ça a dépassé au exécutif de provisoire, son bagage pour nous penser sur le long terme. Christian. Alors, pour un petit peu rebondir et ajouter sur ça, vous dire, nous avons parlé tout à l'heure de catastrophe qui a été annoncée. Justement. Mais, et regardez ça qui a passé concrètement. Et je crois que André Lafontaine-Joseph a mené une bataille justement pour que Mériot joigne. C'est pas les bagages exceptionnels. Là, on dit seulement que ça, la loi prévoit que vous faites. C'est ça, seulement. Nous avons fait les collectivités c'est territoriales que tout gouvernement passé là prend pour régler l'autre cause. Parce que c'est un argent qui passe sous contrôle. Il faut une clé sur ça, son caisse noire liée. Moi, je me souviens depuis l'époque et le gouvernement de transition, nous avons dénoncé les bagages, nous avons dit qu'il faut que nous mettions les bagages dans le budget pays. Il n'y a pas même dans le budget pays. Donc, ça veut dire, si effectivement, nous voulons faire prévention. Prévention, c'est un bagage local lié. Réponse à l'urgence, il n'y a pas qu'à l'autre bagage que d'abord une réponse locale. Donc ça veut dire que, moyennant qu'on mette contrôle sur les mairies, il faut au moins des mairies qu'on connaît, parce que les zones menacées autour, nous connaissons, les zones qui sont menacées. Pour chaque type de phénomène, nous connaissons les zones qui sont menacées. Donc il faut que d'abord, on dit que. Parce que, nous n'avons pas de décision de volonté, c'est dans le budget, le gradu au final. Pour un budget républicain, on voit que ça dit, il n'y a pas une préoccupation, mais l'homme dit là, c'est pas un peu en bas en l'air. Pour un budget analysé, on voit que c'est pas ça que préoccupation. Prévention, c'est pas l'équipe préoccupation. Donc c'est le malheur arrivé, nous connaissons que nous parlons faire appel à l'international, nous parlons mobiliser et solidarité à droite à gauche. Mais fonctionnement normal, courant, nous, il n'y a pas mettre ça en priorité. Gaël Pinson, est-ce qu'on ne peut pas penser que tu as une possibilité pour prendre des mesures de prévention pour éviter situation. Eh bien, que nous gagnons la journée aujourd'hui. Hein? Évidemment, tu es moyen. Mais Jean, pour ça vous dit avec Christian de Dia, prévention n'a pas existé dans le pays d'Haïti. N'est-ce pas fait? Ou même si les choix la fin basé au Dibari. Ensuite, on a fait de l'éducation grand eux qui pour faire. Et surtout, les décideurs, c'est eux pour former. C'est eux pour éduquer dans la question. Et éducation pour faire à la mamelle depuis l'école, pour connaître certains gestes, pour connaître que, mais on a le pays. À risque ou nos zones cycloniques ou nos pays qui gagnent risque sismique et bien qu'on ait des gestes qui sauvent qu'on sait des précautions pour prendre des coups avec standard niveau construction etc qui gens pour comporter ou ni gouvernement ça lui même lui vini pour élection son gouvernement provisoire lui va pour élection pour pas prévoir bon match dans col et lui souffre même maladie avec tout l'autre gouvernement qui vient là Jean-Christian Dabdi dans budget rien sous un ministre intérieur 300 000 gouttes pour une commune bon 300 000 gouttes pour faire qui ça. C'est pas chez Baye pour acheter bon bois pour récréation. Il n'y a pas qu'à venir en aide à personne. Donc ce qui veut dire que
c'est pas juge ou ab juge non moun yo pas au courant de réalité a yo pas au courant de catastrophe ou cyclone catégorie 4 cap vini ou gon commune qui va frapper et pour 300,000 gouttes. Donc c'est des bagages qui montrent à quel point que ni protection civile ni tout instance qui impliqué dans domaine ça yo yo fait pour repenser ou moderniser parce que en plus ou pas gen pompier nous toujours dit protection civile met bat col Jean Lé l'a fait toute qualité il faut qu'il c'est bras à jambes pompier tout autre pas gen pompier pas jambes ka rien. Mais tout à l'heure ou dit demi gros point qu'on soulevé là tout à l'heure mon passé sous lit à pied joint en approfondir. Par rapport à la situation géographique, nous, par rapport à côté nous y est, est-ce que nous même dans le pays d'Haïti, nous pas d'autres gens, une autre gens pour nous vivre, une autre façon pour nous fonctionner? Oui, alors c'est pour me faire un point avec ça, Gaël Tabdia. Mm-hmm. C'est-à-dire que gens pour nous vivre là. Eh bien, mes amis, nous avons pas qu'être jeunes garçons, jeunes filles. Qui pas faim, qui n'ont chômage. Nous sommes là, on bat au coulé Neptune. Mm-hmm. Et puis, Américain vini. Sout Guantanamo vin essayer récupérer cadavre enfant. Gon paquet ti daiva sou gaponger. N'gaponger avec cascafon. Et puis me dit quatre monsieur, gade tout monsieur ça yo Gaël. Est-ce qu'on comprend? Prend yo, mettez un bagage, font comme pas comme pas connait même de la côte. Pas connait. Est-ce qu'on comprend? Mettez, c'est-à-dire que actuellement nous dans une situation quand on gon paquet jeune qui parti, qui pral Brésil, qui pral nous gen possibilité pour nous remobiliser moun yo sous pays yo. Pour nous reconstruire. On pense que c'est ça qui est fondamental. Mm-hmm. Par exemple, Gaël précise un bail important à lui sur protection civile. C'est vrai qu'un pile effort fait au niveau protection civile là. Mais il y a une limite. Est-ce que vous comprenez? Il y a une limite. C'est-à-dire que il y a un kounyo, centre d'opération, bah, songe ça, tout ça, ça je l'ai dit. Mais effectivement, si on a pas profond l'armée dans le sens de protéger l'environnement, ou bien protéger frontières. Moi-même, c'est son modèle comme ça. Renforcer, côté avec des centres d'opération qui sont à Paléo, des gens qui ont des positionnements et qui sont capables de porter secours dans le premier moment. Et puis, un dernier élément qui est fondamental. Je recevoir sur Internet des modèles, des entreprises qui ont proposé des modèles de construction, etc. Mais on fait un chita. On réunit tout le monde. Et puis, on regarde qui ça a fait pour telle zone. Oubliez que si c'est Christian ou bien si c'est Gaël qui t'a dit nous compte zone côté bayou passé à Floray dans sud même sud ça. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que nous connaissons route cyclone non. Donc nous ka imaginer nous qui type de construction a fait pour zone ça. Est-ce que tu vois gon comme un paquet d'éléments et nous plein haïtiens nous refuser travailler ressources nous yo. Et c'est ça son gaspillage pays ça. C'est-à-dire que nous gain l'impression de manquer 12 pour fond douzaine. Pourtant, son paquet de bagages qui existent qui ont gaspillé. Oui, mais ça va. Christian Wisson. Alors, peut-être que sur table, c'est peut-être moi qui gagne plus préoccupation politique. Ça me dit politique parce que moi-même, je suis lié, ça n'a pas dit à la politique. Ok. Lié intimement lié à la politique. Le gars, il a parlé de. Nous parlons de l'armée parce que nous besoin de l'armée. Mais, système ça, si la rentrée n'a fait l'armée, ce n'est pas pour ça au dit à Gaël. Il a fait l'armée pour l'autre bagaille. Parce que encore une fois, les gouvernements sont au service d'intérêts. Il faut ne pas jamais oublier ça. Son bar m'a répété tout le temps. Moi-même, si je m'entraîne dans parti politique, c'est parce que moi, je crois que, quelque part, les gens ont pays organisé, les organisés en fonction d'un certain nombre d'intérêts. Bon, jusqu'à présent, le pays a beaucoup organisé dans l'intérêt majorité population. Si nous pensons que c'est une simple incompétence technique que le gouvernement n'a rien passé, nous passons à côté. Il y a une incompétence technique, certainement. Mais il y a des choix qui font. Il faut ne pas oublier ça. Système, si le comme ça, il y a des choix qui fait. C'est pas par hasard que nous pas fait prévention. C'est pas par hasard que loi pour ressources paysans les affecté dans des domaines bien précis. Nous sommes pays pauvres, c'est certes, ça c'est clair. Quelle que soit l'orientation, on prend devant difficulté. Mais moi, quoi que faut nous pas tromper nous tout dans le diagnostic nous. Si nous pensons que c'est dans éduquer les dirigeants que nous changeons pays, on pense nous passe à côté. Ça fait ça. Parce que dirigeants, ils ne sont pas là par hasard. Ça m'a prépare tout. Ils sont là en fonction du choix de société que vous voulez. L'on est accepté et entrer dans le gouvernement, je ne veux dire, c'est parce que les d'accord à l'orientation qui baille. Il faut nous clair sur ça. Dire que nous ne sommes pas là. Je pense que le danger qui est dans la société actuellement, qui n'est pas seulement en Haïti,
c'est que je pense au gouvernement son grande entreprise, c'est-à-dire mais quelqu'un doit venir entrer tout ingénieur donc le gouvernement juste pour capable changer bagaille. Non, ça va pas fait comme ça, ça va jamais fait comme ça dans quel pays au monde. Un individu pas rentrer dans le gouvernement pour passer le pas changer côté au pas bailler quoi. Non mais c'est sont les rapports de force là même. Non mais c'est le deux, il pas changer le tout. Non, c'est le deux capable changer, il pas le faire pour contre lui et là m'a parlé que la politique c'est la gestion des contradictions, c'est ça lié. Ça, au contraire, un objectif noble politique c'est que ou ca gérer contradiction ça yo, sont pas obligé d'entrer dans violence. C'est tout sens son élection, hein. C'est vrai sans son élection. C'est que les bonnes possibilités trancher dans des conflits sans pas obligé d'entrer dans la guerre. Mais ça crivé là, c'est moi avant toujours. Est-ce que pas de moyen pour nous éviter, est-ce que pas de moyen pour nous résoudre, compte tenu du fait que nous connaissons très clairement, pays d'Haïti, chita sous faille. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, séisme capable de secouer et provoquer donc des dégâts. Nous connaissons très très bien que pays d'Haïti, c'est un pays qui est menacé à chaque fois que période cyclonique est bien arrivé. Est-ce que pas des moyens ingénieurs pour être capable, eh bien, ou en a qui mesure, capable de limiter les gars et résoudre le problème une fois pour toutes? Non, moi, je dis aucun moyen, oui. Mais ça m'a en train de dire, c'est qu'on prend un exemple, ça, très concret. Si je mets 100 gouttes, moi, je dis, j'ai besoin de 80 gouttes pour que je fasse un travail de prévention contre le séisme. Je vais quitter 20 gouttes pour rester là. À l'inverse, je dois dire, mais ma prend 80 gouttes, mettez-le dans l'autre bagaille, ma quitte 20 gouttes. Toute la question, elle est là. C'est comment on va trancher dans le conflit ça. Parce que, quoi bien comprendre, pendant qu'on a dit que nous connaissons, oui, nous connaissons, bien sûr, nous connaissons. Mais les intérêts, ça que les intérêts immédiats. Parce que les gens qui veulent faire comme ils veulent faire comme là tout de suite. Ils ne peuvent pas demander pour attendre 50 ans pour faire comme là. Ou en train de dire, on fait un bagaille qui est valable pour 20, 30, 40, 50 ans. Mais il dit non, c'est demain matin pour me faire comme là. C'est ça capitaliste, hein? Il faut pas faire clair sur ça. Ça veut dire que ou même dans pays qui a une longue histoire de yo, regardez ça qui a passé là. Il y a des pays qui ont des traditions de mesures sociales et pour ben ça a déconstruit qu'on y a. Parce que bon capitaliste financier qui lui-même a dérégulé le système là, en permanence parce qu'il faut un ego faire quoi blanc tout de suite. Advienne le pouvoir parce que même on connaît que yo en dehors et, faut ne pas penser que nous, même en Haïti, nous chapper à ça. Et c'est l'ambassade haïtienne souvent pensé, il n'y a pas dans le monde. Logique ça, il y a plein là contre Haïti qu'on parfois même précurseur dans Baïsa, malheureusement. C'est des mauvais bail, mais nous sommes précurseurs. Dans l'appétit, nous pouvons faire quoi? Regardez ça qui passe après 2 janvier, monsieur. Gaël Pinson, à partir de ça qui est là, il y a international qui a tant offert Edli, mais le gouvernement dit, oh là, attention, bah n'y a pas fait même gens quoi longtemps. Soit pensé. Bon, et avant d'aimer et opiner sur ça, Christian Sodia, moi-même, m'insister quand même pour l'éducation faite au niveau des décideurs. Il faut le faire au niveau de la population, tout. Parce que meilleurs gens pour prendre une population, pour mener le gars, on tire mon appel, on bœuf, boire de l'eau, c'est pas bas l'éducation. Faut bas l'éducation, faut bas les décideurs éducation, ou un meilleur levier pour capable faire changement, qu'on capable faire de façon que majorité a gain droit joindre le maximum possible. Tout ça dit avant même pas autant catégorique, mais faut nous faire éducation. Mais maintenant il faut nous faire éducation parce que nous pas qu'à quitter tout vide là parce que décideurs font l'autre choix, le fini pour nous quitter population. C'est un petit remarque, c'est que le nous pour parler elle va exister. Parce que le nous, c'est décideur, justement. C'est là le problème. Là. Parce que pas oublier son chaîne, un pays, son chaîne. Il y a des gens qui sont placés pour prendre des décisions pour le pays. Si eux-mêmes, décision ça, ils n'ont pas l'intérieur, ils n'ont pas la vision du monde, yo, nous n'avons pas l'air à son mari de son citoyen, ils n'ont pas besoin de force par rapport ou bien même individuellement, ou bien dénoncer, ou bien penser que décideur. Mais pas oublier que, et là, son système, son machine, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'air, en fait, c'est décideur, ou même, il n'y a pas la logique, ça, et ça, qui est moins doux, que ça pour nous mettre dans la tête, non, c'est que type de gouvernement, ça, que nous avons parlé là, qui pour prend en main, intérêt collectivité, mais c'est des gouvernements qui, c'est gourmet pour nous gourmet pour arriver au pouvoir. Oui, mais, Gomba est important, tout Christian, qui a fait des compétences. Oui, mais. Compétences. Ah, vous voulez dire, pas de monde qui est compétent là, dans tout gouvernement qui passe là yo, et qui est responsable de l'État nous là pas qui pourcentage qui pourcentage non mais la question et c'est ça que fait mais ça donc si justement un individu ou une minorité dans structure qui lui-même pas
qui pas designé pour aller dans le sens ou passer parce que inertie système est trop fort. Non mais attendez, grand majorité silencieuse. OK. Moi-même depuis novembre 2015, je me sortir dans la majorité silencieuse parce que l'itérité ou cas silencieux pendant un certain moment pour observer, pour garder en attendant qu'on agit. Majorité silencieuse a tellement vu silencieuse qu'on y a, il vit en majorité passive et complice. Bon, me dit moi-même pas faire partie de lui encore. C'est l'heure d'agir. Donc maintenant, il faut se réveiller. Donc maintenant, tout soit fait là. Ce sont des constats. Donc, pour le monde qui a fait constat, et soit où est, objectivement, où est le valeur, ou intelligent. Qu'on a pour faire preuve d'intelligence, qu'on a c'est pour qu'on ait qui action qu'on pourra le poser pour contrecarrer son où est. De façon que, dans un nombre d'années X, ou capable de gagner un résultat escompté. Même c'est là, question. Vous dites, mais, international, vous voulez by Edli, gouvernement dit attention, il faut le gagner contrôle. Oui. Et moi pense que bon bagage qui est très important que nous t'a signalé, c'est que aide internationale de toute façon au besoin. Mm-hmm. Moi, on pas fait être nos illusions, etc. Et puis pas pour honte que y a venu d'autres pays qui beaucoup plus organisés passer dans des drames et puis recevoir aide. Vraiment, bon. Cependant, problème non, c'est qui sont fa aide là et qui j'ont quitté au Edo là. Et c'est là peut-être que l'important pour gagner, alors moi-même, toujours aimé si tu entre Gaël et Christian sous plan ça, je pense que faut qu'on gagne des mondes qui avertis, éduqués, vous comprenez, pour faire ça. Mais faut qu'on gagne tout qui a un projet, qui a une vision. Et ça, Koudimounio, c'est pas comme ça ou joigne ni. Ça veut dire que son projet vous lié. Donc, je pense que nous, Gaël et Christian, dans la discussion, dans notre échange, nous avons un important. Ça y est. Nous besoin d'éducation, nous besoin des forces qui sont capables de faire bagailler ou atterrir. Il y a une force politique là. Ça, Gaël a parlé à ses compétences là, et clairement. Okay. Et clairement, Gaël a parlé à ces populations qui pour demander des comptes. Qui pour exiger des bagailles. C'est ça, et clairement. Et ça, et Christian Abdi à lui-même, c'est que justement, dans l'affaire des comptes, la population assurée que les gens qui voyaient diriger l'IO, c'est des gens qui adhéraient et qui intéressaient à projet pays. Et ça nous est bien commun. On pense que c'est là que nous retrouvons nous en tant que cadre d'échange. Christian Rousseau. Non, international un petit peu au dire et un petit peu au prendre ça donc il passe moins de moins que le penser donc parce que en fait en réalité ça m'était voulu souligner par Gaël c'est que compétence technique oui mais une compétence technique faut qu'il gagne tout engagement citoyen c'est à dire que dans tout mauvais système où jeune compétence technique tout qu'a fait mauvais bagaille. C'est ça c'est l'âme l'arrivée. Ça veut dire que nous pas qu'à changer pays ça si pas une connexion justement entre des projets politiques et puis des compétences qui ont même au service du projet ça de vision pays ça. Comment comprendre les actions gouvernement par rapport à aide internationale en offrant? Non moi même pas c'est correct de point de vue PAM mais avait dit que bon et ça gouvernement dit surtout il pas dit le refuser international là. Il dit que faut que c'est lui-même qui recevoir aide là d'abord qui coordonner lui et c'est lui-même qui pour gérer. Bon, c'est correct. Ça veut dire que qu'on y a là, ça pour le gouvernement démontrer ses capacités pour que effectivement les cas fait ça. Voilà. Parce que en même temps, au fin dit ça qu'on y a, mais faut qu'on y ait international pas mis mot. Mais ça me dépose ou pas même qu'apprendre. Même c'est ça. Le cas dit au-delà de parole là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Nous pourquoi ouais en quel plan catégorie là, Gaël t'a parlé de ça, tout à fait d'accord avec pour mieux bagarre nos catastrophes, quel est le plan d'intervention. Nous pas souvent penser à ça parce que nous avons tendance à le courir faire. Et plan pour le public. Et c'est là tout qu'on contrôle la commencer, faut gouvernement lui-même accepter principe qu'il a contrôlé le tout. Gaël personne va comprendre la question ça. Bon, de parler de l'ito, même va compléter ça Christian avec Oudidia. Ce sont bonnes choses que le gouvernement prend, mais c'est capable. Ok, il y a une société internationale, il y a une internationale, mais et aide nationale, il y a une compétence locale tout. Plein de compétences locales dans les 10 départements géographiques. Bon, même les gens qui ont un droit sinistré, qui ont des compétences qui ont un droit d'aider sur place,
Donc maintenant que des points que comme dou c'est gayer aide là tout de suite by moun yo là parce que moun pral mouri couvert ou pral sou épidémie. Donc faire compétence locale yo jouer rôle yo d'abord et ensuite au niveau de construction de moun ka produit kay rejeter tout bagage c'est pas ça lié. C'est pas la priorité du moment, c'est faire des gros gars créer des toutes compétences mais ingénieur ou sola, gon équipe ingénieur ou équipe nèg dépêcher utiliser ressources locales parce que ba la dou c'est les bouteilles plein bouchon joine et nèg qui kon milieu qui kon culture qui kon population qui kon mers tout c'est lik pour bon son besoin. Maintenant Jean-Christ Sodia ou doit prendre à qui soit ou pas capable ou dépasser ou pas même gagner contact avec un chéri de côté, communication extrêmement importante. Et là, c'est la réponse rapide. Et me dit, après réponse rapide, ça, c'est pour toujours penser à ça qui va arriver après. C'est même genre un pompier. Il y aurait l'eau à l'éternel du feu, autre que l'eau, retourner dans le bazar. C'est pas à faire des couches au bouquet, non. C'est pour un camion, laver, recharger, organiser. Pendant un pin de fer là, ou qu'il doit avoir la talette pour déraper. Donc, il faut toujours parler. Sur le cyclone barrette là. C'est dans ces cycloniques, c'est sous route cyclonique. Donc il faut toujours parler. Donc il faut non seulement agir immédiatement sur l'actuel, ce qui est là, ce qu'on va vivre là, et puis maintenant, il faut toujours qu'on joue sur l'avenir très proche. Christian Mousseau. Je vais vous ajouter qui est un peu plus technique. Mm-hmm. Et nous, nous avons fait aide surtout, nous avons une relation avec des pays, comme les États-Unis, comme la France, qui sont des pays qui sont très avancés sur le plan technologique. Et qui ont même un mode d'intervention dans la catastrophe. Et qui pas forcément adapté à la situation par nous. Et ça a toujours frappé moi comme un Cubain, par exemple, ils ont une capacité, même avec des moyens très faibles, faire des interventions qui sont très efficaces. Il faut penser tout. Notre type de coopération a établi pour être là. Faire appel à des compétences tout dans le pays ça, qui ont même habitué à gérer des catastrophes. Parce que non seulement il y a des ressources locales, je regarde le tabdia, mais il faut plus tout. Nous sommes capables de connaître que, par exemple, nous-mêmes, en pile côté, nous n'avons pas de courant. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à organiser nous sans courant. Mm-hmm. Parce que, et nous pensons que l'informatique, bon, informatique, c'est pas toujours l'informatique. Mais et la population, les pays, t'es qu'on répond à des urgences sans l'informatique. Donc ça veut dire que il y a des moyens ou organiser ou même sous pas un courant, mais il faut réfléchir à ça, il faut qu'on soit fait. Mm-hmm. On tient des mentions de côté sur ça, que c'est bien content, par exemple, Cuba, Amérique, ben, ça le fait. Je regarde la télévision, l'évacuation a fait. Ici, il y a une évacuation, il y a un soir dans mon nom, soit beauté, ou tout aller. Cuba, même, c'est camion, il prend meubles, il prend des bagages, il évacue. C'est pas d'eau calé, vous. Donc, là, nous parlons de l'armée, c'est pas l'armée, ça ne dégage avant. Mais l'armée, les troupes, et les gens voulaient. Bon, ou pas pour casser l'armée, la carrière, puis c'est l'armée étrangère qui a joué l'armée, la carrière. Donc, l'armée a gagné pour jouer, pompier a gagné pour jouer. Ce sont les deux entités primordial qui galère nos inévitables que malheureusement nous baguons. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à la première partie émission Pilou et Pifon, côté n'a accueilli trois distingués invités. Audi Edmé, qui c'est éditorialiste, mais qui c'est tout professeur. Gaël Pinson, qui c'est président, directeur général de Pinson SA. Président et directeur exécutif de la Fondation Secours Gaël Pinson, ancien chef pompier dans l'aéroport international Toussaint Louverture, spécialiste en gestion de désastres. Et Christian Rousseau, qui c'est prof à l'université, ingénieur, et qui c'est tout membre parti politique que Yorilea Kaouan. Paul-la-palais.com. Gaël Pinson, écoutez, est-ce que ça qu'a privé là, yo, est-ce que ça nous gagne là, je vous dis, comme réalité, est-ce que l'y pas mettait en lumière toute nécessité qui gagnait pour nous construire notre pays? Ça c'est sans dire peut-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une catastrophe, après la catastrophe, il y a des opportunités. Nous faisons pour mettre nous ensemble toutes les compétences, la portion saine de ce pays. Faut mettre ensemble pour nous capables de reconstruire une fois pour toutes. Ce n'est pas pour nous retourner dans Bidonville. L'homme dit Bidonville, il n'y a pas seulement au niveau structurel, non? Que Bidonville et cérébral, Bidonville, toute qualité, façon nous penser anti-coulout. Il est temps que nous pensions pays, que la portion saine se mette ensemble, que nous rencontrions d'une façon périodique. Ce n'est pas nous prendre et nous gagner, nous remettre opinion, nous gagner. Il faut que nous mettions ensemble pour la portion saine pour être capable de reconstruire un pays sur une base durable. Ce n'est pas arrêter comme ça pour bagailler et puis j'ai le passé, non. Et puis maintenant que nous sommes capables de constituer une force pour que quel que soit le gouvernement qui vient, pour être capable de
parler avec nous, composer avec nous, pour connaître que même monde qui gagne certains éléments dans mes qui mettent pays à avancer, et ceci sur le très long terme. Et m'a tout profité dit, tout candidat à la présidence, candidat au Sénat, candidat à la députée, mais il va le rechita, pour le recomposer, pour le refaire plan, yo, parce que Mathieu n'a pas de programme. Nan. Je ne sais pas comment on va l'appliquer rien là, là. Il faut tout repenser parce que Mathieu bouillait dernier cas. Christian Rousseau, est-ce que ça n'est là comme réalité, pas t'a servi d'opportunité pour nous relancer payant d'une autre façon? Bon, je profite pour me dire que nous-mêmes, avant même les gars Mathieu, avant même Mathieu, ou qu'on est que moi-même m'engager dans AKO. Ça veut dire AKO, sens profond AKO, c'est justement une démarche pour nous vivre dans l'autre pays. Ça veut dire que ce ça que Gaël les poissons saines là, nous-mêmes nous travaillons justement pour que nous mettions Mounsayo dans l'espace politique. Et comme pour nous-mêmes, vision nous que nous avons de changement, c'est nous pas quoi changement capable de faire seulement dans maintenant tête ensemble. Nous pensons que il y a des contradictions réelles dans la société, il y a des gens qui parlent les changements, nous sommes obligés de compte de ça. Donc ça veut dire qu'on question de rapport de force. Donc pour nous-mêmes, changement à parler, l'y passer par construire un rapport de force qui allait dans le sens intérêt majorité pays. Donc qui vient là donne bien sûr un appui populaire, puisque pour capable de changer, il faut un faut rapport de force là. Ou capable, effectivement, en situation, le gars a parlé de imposer. Pour imposer, Fok ou Chita sont force. Et pour nous-mêmes, dans la vision pas nous, bon, je ne pas dire que c'est la seule vision gain, mais dans la vision pas nous, nous sommes partis politiques, force pas nous, c'est faire en sorte que nous avons une majorité de monde dans la population hein, et nous avons une portion de l'élite qui est engagée dans le changement, qui est capable de Chita pour nous construire l'alternative là de manière concrète. Rudy Edmé, est-ce que nous pas exploiter la situation ça pour nous mettre les paysans sur l'autre voie? Oui, je pense que il y a un aspect politique dans la question. Donc, c'est-à-dire que faut que les partis politiques organisent, ba vision clé. Tant que gagne la question Abdil là, c'est parce que de sacrifier là, le problème que jusqu'à présent, j'ai un débat fait là, dans le pays, c'est pourquoi ça. Okay. C'est pour faire de Jovenel contre Moïse contre Jude. Tu vois, on ne fait pas un pays comme ça. Tu vois, on conflit de personnalité. Ils ont compris qu'on mettait comme conflits nationaux. Tu vois, je pense que faut pas aller plus loin. Faut pas aller en termes de projet. Faut que c'est idée pour nous discuter. C'est idée pour nous discuter. Faut nous garder exactement ça. Quand coup matin, on a fait sans prétention de dire mais qui gens ou paré à une catastrophe et qui gens capables de faire face à une géographie qui plein de défis là-dedans. Je pense que c'est ça qui est important. Il manque des sciences, il manque des compétences et il manque de tout projet politique. Et, Gomba m'a regardé moi qui a fait dans pile pays, où un mouvement indigné, qui a dit tête, il faut que les citoyens soient impliqués beaucoup plus. Je pense que l'important, nous avons besoin de remobilisation. Actuellement, par rapport à la situation pays, il y a un pile monde qui s'est usé, blasé. Est-ce que vous avez et découragé? Je pense qu'il ne faut pas décourager. On prend ça, Gaël Tabdia, ça comme opportunité pour nous recentrer, remobiliser force nous. Pour nous dire on a le refaire pays noir. Mais pour nous faire pays noir, il faut nous pas en grain 5. Il faut nous chercher côté nous brancher pour nous capable faire l'ensemble. OK. Christian Rousseau. Alors bon, et un petit peu aller dans le sens où dit a parlé, on remarque que dans l'intervention nous fait matin sur coordination, contrôle et aide là, on remarque que nous essayer ça que nous parler expert, nous essayer quand même porter des points précis. Le moins dire que dans le domaine que moi hier moi pense que puisque c'est le gouvernement qui a coordonné, l'État doit faire appel par exemple à l'entreprise privée, puisque nous connaissons que l'État ressource, l'État réel ressource de l'État aujourd'hui, pas permettre de faire face pour contre lui à la catastrophe. Donc là, il y a une opportunité pour mesurer, là, on a parlé de solidarité, ça veut dire. Parce que leur entrepreneur privé, il décide de mettre, bah, on est 20 boss, 10 contre-mètres et 3 ingénieurs à disposition du gouvernement pendant X temps. Et c'est les cap supportel, moi-même c'est ça me solidarité. C'est pas chita vin faire cinéma, mais ça me solidarité. Alors ça n'a pas vraiment qui frange dans ça me l'élite non, l'élite économique, l'élite entrepreneur qui vraiment capable de porter solidarité ça. Okay. Parce que si vous pas organisé là après on paquet chaud, on négale fait chaud devant pont, il a bien installé pont pendant deux pendant bon bref, ben ça bon, pensez que vraiment il pas productif.
et yo pas aller dans sens résoudre problème là vraiment. Vous comprenez qu'on est un candidat en campagne ou cherche un capital politique, mais ou pral ou son candidat à la présidence, ça veut dire que ou pral responsable d'institution. Donc soit font approche, faut montrer déjà depuis journée aujourd'hui pour nos candidats qu'on a un souci que ces institutions capable agir et non pas même en tant qu'individu. Parce que nous à travers tout ça dit, nous connaissons un drame culturel dans la société, c'est affaire individualiste nous. Nous avons un ego qui est trop dimensionné. Chaque bagaille ici a fait, c'est lui qui prend la tête. Pour que c'est lui qui paraît. Et bagaille ça tellement fort que parfois, il préfère écraser des démarches collectives pour mettre la tête en évidence. Donc, faut que nous apprenions justement à travers bah, drame ça, montrer que nous avons dépassé bah, ça. D'autant plus important que faut nous éviter s'en approcher aux ONG ou bien communauté internationale là. Là, ils viennent faire flotter le drapeau. Mais il faut éviter nous-mêmes de faire flotter le drapeau par nous, chaque monde bon par nous. C'est-à-dire qu'on a tiré le drapeau à côté. Donc, ça m'a pas tant dans le moment ça, son effort collectif. Est-ce que oui? Un effort collectif au niveau des leaders, mais l'effort collectif tout au niveau justement de chaque grain haïtien, de chaque grain entreprise, pour nous. Ouais. J'ai dit à Kabel, c'est ça, Gaël, tu as parlé d'opportunité. Ouais, chaque fois que bah, ça arrive, ou qui sort, ça n'était qu'à faire. Mais le mandé pour nous dépasser individualiser ça que ça t'a parlé. M'a pas ajouté et nous non même venir monsieur Abdio. C'est pour encore gouvernement faire ouverture pour nous capable pour que tout professionnel yo capable agir. Faut qu'on plan pour nous capable qu'on est dans qui domaine que nous ca évoluer. Qui qualité aide que nous capo. Gen des bail international la capote ba. Ou ka di non pa potel. Ou pas besoin li pas adapter à réalité parce que finalement on tourne en poubelle. Et puis Abdou met un million, met un milliard, met un ceci et puis finalement ça rien. Ou tout le monde dépôt fatra et puis mon a pédé mourir ou passer pour compétent, passer pour vicieux, il y a bon toute qualité qualificatif. Il est temps que kounya élite économique pays a, pas sur scène pays a, professionnel yo. Bon c'est kounya pour faire flotter des drapeaux haïtiens. Ou men, yo prenne de apwa yo fouye, yo ploye nan de apwa chou, ke yo prenne yo ici de apwa koun ya pou fèl. Et map tout profite pou moun ki genye yo. Gende le, se sak pa bon la kaye yo baye. Baye ki chire, il faut avoir un respect pour les victimes. D'ailleurs, faut respecter tetou pou ka respecter moun. D'ailleurs. Donc respecter tetou pou ka respecter moun. Et pa vie ren yo pou al pote au niveau abi. Ne ki yon matériau construction yo, se pa déchet matériau pou baye. Parce que les sobras de l'on plus vulnérable quoi. Parce que le prochain cycle, il parle victime. Et il faut ne pas oublier un bagay. Haïtien toujours pensé que c'est zot ça qui arrive ou même ou à l'abri. Ou là, si l'on n'y a pas porté des aides rapides à la population, pour éviter que l'on commence à mourir, pour éviter qu'on commence à goumer, pour éviter la yot, pour éviter qu'on y a couru quitter tous les zones à parce qu'il y a des blés pour embrayer sous Port-au-Prince, il y a peut-être sous notre maladie, il y a peut-être à toute rage, il y a des bagages m'pap dit, parce que m'pap vle incitation à la violence. On se bagage dit nous, calez genoux, agis vite pour éviter le pire, et le pire est déjà à nos portes. Mais Gaël, donc tu es avec toujours, en tant que spécialiste en gestion de désastre, qui vous pensez que et ça pour pompier, t'es qu'à jouer dans une situation comme ça. Pompier, c'est lui-même. J'aime ce dollar-là. Par exemple, toute aide internationale qui a venu là. Ça peut pompier, là, avec protection civile. Tout militaire qui a entré là, c'est lui-même qui servit de liaison entre militaires avec population. Et population et protection civile là sont auxiliaires reliés. Donc, vous figurez que vous gagnez protection civile là, c'est qu'un coup. L'île, c'est brage en pompier. Ou figure que ou gon tête avec tout, li pa ka fonye, c'est ça pompier. Tane, est-ce que nous gagnons pile ça peut pompier dans le pays d'Haïti? Ça va exister. Gen pompier aéroport. Et me saisis moi-même, mais j'ai retenu des déclarations ministres deux fois. Gon moun ka glisse l'on papier en chiffre qui dit qu'il y a 381 pompiers. N'a rien kon. Qui côté ou y qui côté ou katone? Qui est-ce qui forme yo? Qui dernier fois recycler? Parce que c'est pas parce que moun gen rat pompier. Ou gen doit déguiser tout bagay. Et l'autre était comme ça, au point de rate pompier, mettez son nez, botter l'homme pour rate pompier, mettez son là. Bon, font deux crimes. Pour moi, mon compagnon, nous sommes pompiers tout bon. Ou pral commettre une série de actes, pour faire des interventions, on va mourir. Bon, ou qu'elle a essayé de sauver mon monsieur, mon Dieu. On ne fait pas ça. Donc, nous avons un officiel 381 qui côté ouïe, qui côté ouïe, qui côté ouïe. Donc, est-ce qu'on est faux contre ça, Dion? Et pas faux seulement, j'ai une autre beauté, puis forme dans l'emploi.
Oudier, mais on aborde un autre point qui est aussi important que le point que nous sommes développés. Mais on a toujours été dans le même ordre d'idée. Hein. Gagner le conseil électoral provisoire là, en raison de et conséquences que passage cyclone non provoqué dans le pays, hein, dégâts matériels, perte en vie humaine, eh bien, qui prend décision pour reporter s'inédier élection que tu prévois pour te faire jeudi, dimanche, là, même sous toute étendue territoire. Là. Sont bonnes décisions à votre avis? Ben oui, oui. De toute façon, écoutez, donc, la survie avant tout, la situation réelle. Mm-hmm. Alors c'est ça, oui, qu'on voit, la nature n'a pas besoin de nous. Ben yo, c'est ça qui fait que faut que nous parions et le n'a pas de décision au fond de prendre. Des fois, nous avons tendance, lors des dernières années, nous sommes vivants là. N'a pas fait délai, n'a pas bagaille, n'a pas pris sans nous, n'a pas, est-ce qu'on comprend, n'a pas fait un paquet de débat, pas de sens, n'a pas joué à temps, n'a pas joué à temps, est-ce qu'on comprend, n'a pas fait chaise vide, n'a pas joué, n'a pas fait des marches procédurières, vous comprenez, et bon, bah, pas fait bio, et puis maintenant, on a un problème. Donc, je pense que là, c'est ça qui fait que n'a pas parlé tout à l'heure de projet politique là, de qui monde, n'a pas parlé, il faut que des femmes et des hommes d'État qu'on y a dans le pays ça. C'est-à-dire des mondes qui sont soucieux. Qui a un sens de responsabilité, yo. Mais c'est pas des gens qui ont fait des shows, elles se comprennent, des gens qui ont marché dans toute émission radio, elles se comprennent, et qui ont fait des shows régulièrement. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est fondamental, qui pour permettre nous rendre nous compte que, de toute façon, le conseil n'a pas de gagner autre choix que de renvoyer l'élection, parce que c'est une question de survie, si pas gagnant qu'à faire qu'on y a là dans des zones dans le pays en termes d'élection. Ok. Christian Rousseau, avec qui je, nous-mêmes dans la CAO, nous avons décision que le Conseil électoral prend pour le reporter si les élections que tu prévois pour aujourd'hui. Hein. Bon, malgré que la CAO n'a pas d'élection, mais nous clair que c'est Jean-Louis Didier là, le Conseil n'a pas de gain l'autre choix. Seul bagage nous voyez peut-être comme coup de chapeau pour vous, c'est que vous faites rapide. Mais de toute façon, pas de possibilité de faire d'autres bagailles. Il y a une question que vous posez peut-être nous. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça, question. Mais là, on a parlé de mon pays. Oui. Parce que le moment vide de bagaille pour me confiter, l'élection fait partie du paquet d'urgence. Voilà, justement. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Parce que nous connaissons très bien que déjà, pas de gain ou mobilisation sur l'élection, question d'élection dans le pays, hein, compte tenu de ça où tu as dit, découragement de la population. Mais en plus, nous avons un bon parti dans le pays qui n'est pas même capable d'envisager, je ne le dis, gagner l'installation pour faire l'élection. Donc c'est comment ça, c'est ça l'abtonne dans mes conseils là, mais j'espère qu'il y a réfléchi sur ça. Parce que, bon, de toute façon, on connaît tout que candidat, même sous, comment va il sous starting block, il n'y a pas de chance tout, pour y aller à trop loin. Donc, bah, t'as même la place. Nous mettons rapidement, ingénieur. Le conseil électoral a annoncé que d'ici à mercredi, il y a en mesure pour annoncer la prochaine date. Là. Est-ce que, à votre avis, son élection qui t'a doué tenue dans un avenir pas trop lointain? Bon, et je vais faire un gros effort là, bon, parce que Jean Dolan, à quand on parle d'élection, ce n'est pas par hasard, c'est parce que d'une part, le projet n'est pas beaucoup suffisamment prêt pour nous offrir. Population alternative, mais d'autre part, nous n'avons pas même des consignes de pour voter pour tel ou tel candidat, parce que Jean-Oudi Tabdil, il est difficile pour nous, dans l'offre politique, là, je ne le dis pas, d'éléments vraiment positifs dans le sens de parler là pour changer barrière dans le pays. Donc, mais comme son citoyen qui m'a fait quand même, m'a fait quand même mon opinion sur ce soir, ça veut dire que question fondamentale, là, c'est bon, ok, élection faut qu'il reporte, élection faut qu'il reporte, il a annoncé avant mercredi. Mais la vraie question qu'on y a, hein, c'est qui disposition concrète y a pas annoncé pour zone qui sinistrée. Ok. Parce que nous parlons pas de l'école là, c'est même pas qui disposition concrète qu'a pas annoncé pour zone qui sinistrée. Parce que bon, et faire élection, c'est très bien, mais c'est comme si faut que nous parlions plus sous dans logique faire élection à tout prix. Ok. Bon, parce que oui, faut nous prendre un délai qui permette qu'effectivement population dans tous les départements yo exercer droit ça de manière correcte. Je ne vais pas dire qu'il y a un gros confort, mais il faut au moins une infrastructure qui met en place, qui effectivement, pour ne pas renforcer la situation déjà normale, là, côté nous connaît que il y a des zones dans le pays qui ont accès, difficulté d'accès à des centres de vote, c'est déjà
en temps normal, son bail déjà qui était toujours à dénoncer. OK. Kounyan catastrophe ça va renforcer difficulté concernant une partie de la population qui va le voter et qui a gain accès à des centres de vote. Et Woody Edmé était motivé. On va ajouter l'idée d'autant plus stratégique et fragile que nous avons un processus côté nous connaît avec lutte égo, individualisme fonctionnaire que n'importe qui bagaille qui a fait capoter processus là. N'importe qui candidat t'a dit que le mon bagaille est suspect. Vous comprenez? Il t'a capoté. Donc nous obligé à aller prudemment, résolument, mais vraiment c'est son mine n'a marché. Parce que là nous sautons dans Matua, faut que nous sautons dans l'élection yo. Donc pour bien passer. Donc c'est lentement mais sûrement. Daniel Benson, c'est quoi votre avis sur cette question? Bon, vous connaissez même pas politique, c'est un bon premier. Vous pouvez me débattre de la politique. Bon, moi, je vais répondre en tant que citoyen. Si le pays n'a pas de cap à renvoyer l'élection, ça c'est deux murs avec toute qualité des âmes pointées sous lui, il oblige à renvoyer l'élection. Cependant, nouvelle date, il y a le bail là, pour aller dire exactement qui qualité l'élection. Et puis, je vais me là. Ok, très bien, très bien. N'a pas avancé. Et mais de notre côté, gagné dossiers affaires commissaire qui était transféré et particulièrement commissaire gouvernement Port-au-Prince Saint-Jean dans ton léger qui était soulevé en pile tollé. Début week-end, gagné ministre justice Camille Edouard Junior qui prend décision pour le succès justement sous décision qu'il te prend pour transférer commissaire gouvernement yo. Et il dit très clairement c'est à cause de situation post-cyclonique là et surtout en raison de l'élection qui reportait s'inédier. Et qui sont pensés de ça ou dit mais bon moi c'est sur le côté match ou banègue en porte de sortie. Ça veut dire que quelque part bah là t'es bloqué. Bah là t'es bloqué parce que bon commissaire gouvernement dit il pas déplacé. T'es gagné une sorte de solidarité, de tir groupé de la part d'anciens magistrats. Pas oublier qu'on a l'État qui est faible même dans la hiérarchie. Est-ce que tu vois? Et donc, et commissaire gouvernement que nous gagnons, son monde qui gagne une capacité de. D'Acadie, de c'est un homme politique. On sent le politique derrière le commissaire du gouvernement. Tu vois, donc ça c'est évident. Est-ce que tu vois? Donc, je pense que monsieur, c'est ton épine difficile à retirer. Donc, Mathieu permet que y ait une solution à l'amiable, est-ce que tu vois, qui permet d'évacuer les questions. Donc, bon, c'est une décision. Dans cette situation, j'en étais là, il n'y avait pas de Samedi Cabrel de solution idéale par rapport à Jean Balat et comment ça marchait. Ok, ok. Est-ce que tu vois. Donc, je pense que monsieur Danton Léger, son monde, que le gouvernement pourrait le gueuler cheminer avec jusqu'à la prochaine élection. Christian Rousseau. Bon, c'est très difficile, il faut mettre des légers avec les organes là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi-même, Samedi a dit, il y a des grands aspects quand même qui étaient un petit peu choqués, moi, dans un problème qui était posé. Ok. Mon temps de mettre dans ton léger, dit là que il va jamais garder désobéi le ministre. Ok. Dans la dernière déclaration que le fait, en présence de ministre. Mais ce n'est pas un sentiment ça que le débat avant. Ok. Bon, moi-même, c'est tout ça que je dis. Je n'ai pas l'impression qu'avant, il n'y a pas de non-logique justement de désobéissance. Donc, bon, ça crée autrement ça. Bon. Mais, et comme vous dites, maintenant, c'est un homme politique. Mais en même temps, il doit dire qu'il prend une attitude politique pour que les compliquées décisions de transférer là. Mais en même temps, tout comme un politique, il connaît une responsabilité par rapport. Il a toujours été. À viabilité institution. Que l'on commissaire gouvernement ou admettre qu'on parle de la désobéir ministre, faut que la population des signataires qu'on peut faire le gouvernement. Même lorsque c'est intérêt pas au gain. C'est la seule question que j'ai l'impression qu'il y a un gap en déclaration de maintenant dans les effets hier, et ça le fait avant. Ok. Mais c'est moi pas bien comprendre le dossier. Gaël Benson, est-ce qu'on pensait que décision que le ministre prend finalement déjà crise là? Bon. Et oui, je pense que la crise a dénoué parce que en Haïti, très souvent, il y a des gens qui ont joué. Vous ne pouvez pas avoir une règle jouée là. Et si vous connaissez, vous ne respectez pas la règle jouée là. Vous ne pouvez jamais connaître exactement le vrai problème qui est gagné entre
commissaire gouvernement avec ministre ou pape connaît c'est ça qui transpire à ça qui te connaît c'est lourd qu'on est parce que Jean-Christian t'a dit avec vous n'y a pas quelle contradiction je ne fais pas et puis les actes sont ou prennent pas montrer à l'opposé de sordi est-ce que vous prenez bon et dans ton léger lui-même bon nèg on est qui gagne colonne vertébrale il va pas quitter on nèg Bachavel et en même temps faut lui respecter l'institution donc monsieur tenons en situation excessivement inconfortable et comme je n'ai qui respecte les principes, qui respecte l'institution, qui respecte l'éthique, il n'y a pas de fois si c'est un monde. Donc, je tenons en situation côté que, gardez nos soins équilibristes qui doit aller dans le championnat olympique tellement la parisseau, la plaquer et puis la ménager, on sait. Maintenant, heureusement que je joue en entente, mais moi j'aime pas que Mathieu gagne pour en entente dans nous-mêmes. Ou un problème judiciaire, fini sa cyclone barat, monsieur Gamboulou Laden. Ça, monsieur m'a souhaité que tu aies un autre prétexte, mais pas cyclone. Moi, d'accord, c'est prétexte ça, justement, que vous prenez. Ça servit de prétexte quand même. Non, mais ça, c'est important. C'est qu'on est ces informations, ça n'ont pas gagné. Et c'est les plus tabanous. Pour qui ça qui menait à quoi ça véritablement. Qui problème qui a gagné d'abord et qui ça qui menait changement ça, revirement ça qui fait. Non, mais me fait qu'on est que. Donc et passage ouragan sont opportunités qui permettent que non moi je suis pas capable de prendre libre ça veut dire que problème n'était sous passage cyclone et puis le mener le barou ah mon cher bon alors nèg fait travail citoyen là oui moi ça nèg poser question justement ouais ben et du point de vue politique il y a une façon pour dire que bon pays est en crise donc nous pas pour le faire nous pas faire transfert mais tout le monde comprend que c'est ça ouais la canon sorte de casser feuille couvrir ça pour que bah il continue donc moi penser que quelque part d'ailleurs d'autant plus que ça nous dit là qui est très important penser que public quand on est que ça ouais le plus souvent qui paraît là dans iceberg là c'est pas lui-même qui réalité problème non bon, ça nous comprenons très bien vous dites mais en tant qu'éducateur qui accueille qu'on fait à décision ça que on prend pour l'école là ouvert demain. Ok, moi-même pour éducation, toujours l'ouvrir, pour l'école ouverte, pour la possibilité pour sensibiliser tout le monde sur ce qui passe là, pour y avoir commencé à vivre, ce, tu vois. Cependant, peut-être que faut que nous parlions tout de zones qui sinistrées. Ok. Est-ce que ouais, parce qu'en réalité, c'est ça peut-être n'a dit de plan de contingence. Là, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder que gain situation situation qui grave sur tout ton département. Donc quand ça n'a pas fait, qui solidarité qu'a gagné, qui moun qu'a accueilli, qui moun, est-ce que nous gain des côtés nous qu'a fait des timoun aller pour continuer et prendre instruction. Donc moi pense que d'autant plus que gain des parents qui gain des situations qui pas gain caille et que timoun avec eux, si timoun était qu'à un côté que capable un minimum ne serait-ce que pour que Gaël t'a passé par la veille. Je pense que le t'a pour un bon bagaille. Est-ce que tu vois, si nous avons rassemblé, on a des hangars, des côtés, puis on capable de continuer, un type de maintenir veille, ou maintenir esprit, ou, et sensibiliser, puis on capable justement aider la communauté. Christian Rousseau. Bon, moi-même, c'est m'a fait suivi ça, vous dites, mais même, et m'appeler à s'en dédier avant. Nous n'avons pas de plan d'intervention, l'école est en priorité. C'est-à-dire que nous-mêmes, en Dakar, nous toujours prenons que l'école ouverte. Parce que, encore une fois, son pays qui déjà un déficit d'information. Vous regardez le temps scolaire yo, en Haïti, yo, ridiculement faible. Si vous n'avez pas passé suffisamment de temps à l'école, ne serait-ce que même dans la capitale, qui t'a doué, modèle là, vous regardez la quantité de fois pour l'école, si vous n'avez pas passé suffisamment de temps à l'école, à 10h, à 1h, on l'autre contingent, à 3h, on l'autre contingent. Nous pas qu'à continuer comme ça. Ça veut dire que, faut que l'école, faut que le temps scolaire là, au contraire, c'est augmenté pour l'augmenter. Malheureusement, une catastrophe frappe nous. Puisqu'on a parlé de solidarité, c'est que justement, concrètement, qui disposition capable de prendre pour que dans une zone affectée, l'école là, nous connaissons, le pape a ouvert même là, à l'autre côté. C'est clair, nous ne pouvons pas faire une illusion qu'on parle de l'autre côté, l'école pape a fonctionné. Mais au moins que nous plan d'intervention. Et dans le plan d'intervention, c'est l'école qui a doué, une priorité de construire de l'école, c'est d'adouer une priorité. Okay. Donc ça veut dire, ouais, nous n'avons pas une infrastructure, mais il y a tout. Choix infrastructurel, il y a tout. À qui ça qui est prioritaire en termes de fonctionnement tout. Et l'école, la santé pour nous-mêmes, c'est des priorités. Donc, et ceci dit, nous comptons tout, n'a pas les là, mais nous comptons faiblesse. Et n'a pas de faiblesse gouvernement tout, nous comptons faiblesse capacité d'intervention. Donc, il faut nous clair tout que nous avons
et l'école a annoncé le pour lundi, mais nous clair que ça prend temps pour que effectivement situation d'école là ne serait se retourner à saleté avant Mathieu qui était déjà bon bagage qui sous le plan des normes était vraiment acceptable. OK. Gaël Pinson, c'est qui point de vue pour vous, ça fait l'école en cap ouvert demain? Bon, il est clair que faut que l'école ouvre. Mais bon, j'en pour l'école là ouverte. Bah, c'est que le ministre est doué pour, en tant que comme d'État, tu es doué pour une approche différente. Il y a des bilans plus ou moins précis de l'État, l'école, yo, surtout dans la zone sinistrée. Là où est l'école là, il a dit bon, l'école là pour ouvert, et puis au cité non département côté l'école là pour ouvert. Et puis où dit dans quel délai que l'école a pouvait graduellement dans les zones sinistrées. Moi, il n'y a que dans le plan, il y a un second plan. Qui mesure qu'on apprend pour capable de pallier à problème ça pour que Mounio rentre graduellement à l'école. Parce que, pardon, l'on parle de l'école, ça sous-entend que infrastructure, santé, parents, Mounio, transport, nourriture, tout bagage garanti. Professeur, vous avez dit que vous avez un professeur pas dans la localité, pas vous avez occupé famille là. Bon, où est-ce que vous avez un digital là-bas? Pour si vous avez un professeur, vous avez un professeur chaque week-end, ou bien tout côté, ou bien famille occupée là, c'est l'école là-bas, vous avez un occupé famille. Donc je pense que, j'aime dire là, faut l'école ouverte, mais il y a un gens pour l'ouvrir. Ce n'est pas ouvert pour l'ouvrir. Ici, nous jouons l'autre dans toute bagaille, nous faisons bolette dans toute bagaille. Il faut qu'il y ait un plan. Moi, je pense que faut une approche beaucoup plus sérieuse, une approche beaucoup plus responsable. Et puis là, on dit que l'école l'a ouvert. Ça veut dire que, au sous-entendu, bon, monde qui n'est pas à l'école, là, qui m'aime, il y a occupé. Qui m'aime. Ou créer un traumatisme psychologique dans ça qui n'est pas à l'école. Mais ça qui est à l'école, l'autre n'est pas à l'école. D'ailleurs, il y a même problème dans déjà tout. Il y a un problème dans l'école publique ou pas de professeur et puis l'école privée à travailler. Ou même psychologiquement ça qui passe. Même on y a à l'école lui-même, et puis même pas à l'école. Donc on a toujours un problème ça. Mais qu'on y a son cataclysme qui vient créer le même problème encore, beaucoup plus grave. Donc je pense que une approche plus professionnelle, un homme d'État, on va être plus sérieux pour faire. Ou même parce que des approches qui pour faire. Et nous faisons appel aux professionnels. Corps de génie, ingénieur, monde qui est capable de contrôler tout le bagage. Pour construire des abris, pas des abris provisoires. Parce que ouais, abris provisoires, vous faites abris provisoires, si qu'on arrache tout. Dans le dépôt, non le tout. Pas gagné mon bidou de la caille. Il saute la caille, il crase, il y a un abri pour les crase, pour qu'il y ait dans la rue. Il faut faire des bagages qui répondent aux normes cycloniques et parasismiques. Très bien. N'a pas avancé. M'a retourné sur Woody Edmé. Woody Edmé, à votre avis, qui choix que nous avons fait? Construire alors, c'est. Professeur Christian Rousseau, que nous avons posé la question d'abord, mais je vais commencer à voir. Est-ce que c'est en béton que nous avons construit ou bien en tôle en bois? Moi, je vais dans la technique là. Je m'a simplement dit que de toute façon, il faut nous construire l'autre genre. Et Jean Sahar, il a défini avec le corps national du génie, pas qu'on est, okay. Avec faculté des sciences. Yo. Est-ce que tu vois? Parce que je pensais que faut que nous renforcer section génie parasismique nous. Est-ce que comprendre? Gade bagay pour nous faire pour une éducation ou le bagage. Parce que ça va passer. Nous bien quand on pose des questions parce que on regarde des pays qui comme au Japon. OK? C'est pas la même structure, pas la même force. Mais tout à l'heure monsieur t'a parlé de Cuba. Ouais, gade situation là où pour aller gagner, faut qu'on font gens, il faut camper professeur. Japon t'a tremblé de temps en temps, mais mounio c'est ça. Arrivé, ça veut dire que. Comment arrivé, quand on a dit, on a un espace qu'on a gagné. Espace là, il sollicite les bons challenges, mais c'est l'occasion tout pour faire éducation avancée, pour pousser science, pour pousser technologie. Est-ce que vous comprenez? Pour augmenter capacité d'intervention. Donc, je ne crois pas que son bagage, et ça, c'est un peu dit ce matin. C'est pour faire de haut, Haïti bagaille, Haïti condamné, pourquoi c'est nous? Tu vois, le problème, il faut aller plus loin qu'on y a. Il faut dire, nous, nos situations, nous remettons pays, nous, qu'on y a bagaille, ça va pas le ballon challenge pour nous développer les capacités pour habiter le territoire. Bon? Bien. Le rêve d'habiter ce territoire passait par des outils.
pour nous mettre, pour permettre nous habiter le territoire là en sécurité. Très bien. Avant que nous interrogions Christian Rousseau qui a une expertise dans le domaine, termine d'abord sur Gaël Pinson. Gaël, c'est en béton fait pour nous construire ou bien en structure légère, bois, tôle, etc. Bon, moi-même, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte. Cependant, dans le domaine pendant la gestion des as, il y a un bagage pour noter. Et un gros travail que l'État est pour faire et le prochain gouvernement qui va venir. En 2010, structure béton crasé. Tout le monde fait quoi? Il n'y a pas fait structure béton, c'est tol. Mathieu passé, il chire dernier fait tol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, dans qui sa population est là? Donc, ou qu'on travaille pour le faire. Donc, problème là, moi-même, c'est code avec standard. C'est que ni dans le béton, ni dans le là, code n'est pas respecté. Parce que en matière de parasismique, en matière de cyclonique, c'est l'argent qui pourrait tout. Des fois, respecter l'homme. Il y a un droit du terrain, ça n'a pas bon, mon cher. Depuis l'argent, ou l'argent, il y a un droit dépenser ça pour dépenser ça pour le bon. Ça, c'est une. Deuxièmement, ce n'est pas parasismique seulement avec paracyclonique. Parce qu'on paquet de bureaux d'ingénieurs qui servent avec pour faire marketing. Tout bagage on seuil. Ou parasismique, jusqu'à quel niveau? Dans l'échelle là, combien de il y a des parasismiques. Quel est le parasismique? Bon, il y a niveau 2. Mais qui sont faits de population pas d'impossibilité pour construire des maisons parasismiques? Non, l'État est mineur et logements sociaux. L'État est mineur. Bon, il finit de décapitaliser là. Bon, c'est Kounia là. Les nappes du renouvoir, les nappes du reconstruire Haïti. C'est Kounia là pour l'État, lui-même faire des logements sociaux, mais la contingence ne va pas rentrer comme lui. C'est ça le même pour faire. Tout espace qui crase là, c'est refaire un plan d'urbanisme complet qui répond à risque qui menace ces zones. Ou mettez infrastructure en place, ou mettez des logements sociaux, ou font plan d'urbanisation correct, qui gagne pompier, qui gagne l'hôpital, qui gagne parc récréatif, etc., pour capable faire. Le fini, on a fait de évacuation des eaux. Et puis maintenant, délimiter zone côté pour faire agriculture, délimiter aussi des zones. C'est qu'on y a pour renouveau à faire dans le pays. Donc, pour bois, vous voulez construire en bois, il y a un nombre pour respecter tout. Quel type de matériaux pour entrer dans le pays? Il y a des facteurs, c'est le fan, oui. Soit éteigné sur le chiré. C'est pas possible. Ou bien bois, tout quoi bois, c'est neuf. De ou bon petit monde deux ans la casser. Quoi faire de qualité de matériaux? Nous sommes poubelles où il y a des pays industrialisés. Donc c'est pas seulement ou quel type de construction gagne non mieux, mais il y a la qualité des matériaux qu'on va utiliser pour faire construction tout. Qualité ciment qu'on va utiliser, qualité bois, fer. Bon, nous sommes même qui nous a fait atelier qui fait meuble. Il préfère prendre la construction sur les déchets. Depuis le ploye faire pour le benni, pour le fonchez, il casse comme bois balé. Alors pour voir qu'on soit mettre dans la construction, c'est pas normal. Donc l'État a son rôle à jouer à tous les niveaux. Code de construction, norme de construction, type de matériaux qu'on peut entrer, qualification ingénieur. Parce qu'on paquet de monde, il peut encore, il peut architecte, il peut ingénieur, dans le temps route, il peut être ingénieur pour qu'on mette là. Mais par contre, qu'on mette là, son tombeau l'a fait beau et bon caille. Comme de fait, 2010, l'intérêt tout. Et puis voilà, finir pour masser au bien ça au boulet au boulet. Donc moi-même en tant que professionnel, mais ça me dit, pour n'y a mettre question. Christian Rousseau, ou c'est ingénieur en tant que tel, comment pour problème ça résout à votre avis? Alors, chayon la question pour là. Bon, en tout cas, je partage avec nous senti, mon connaissance que je gagne dans le domaine. Non? Gardez du bail qui est fondamental. C'est-à-dire que pour construction en bois, pour construction en béton, il y a des normes qui définissent pour chaque catégorie de construction ça. À qui risque ou qu'a fait face pour chaque catégorie de construction. Deuxième paramètre pour introduire, c'est que ces fréquences risques-là. Son pays qui est exposé à des risques cyclones qui sont plus fréquents que les risques tremblement de terre. Il faut prendre ça en compte. Ça veut dire que construire en tôle, ça veut dire que vous pouvez gagner plus de cailles qui menacent sous construire en bois, vous pouvez gagner des cailles qui menacent plus souvent que puisque vous gagnez vent. Ou gain vent en principe ou une saison cyclonique chaque année. Donc là tout, ça veut dire que soit fait choix construire en bois, faut qu'on ait que quand ça quoi construire en bois étoilé ou pas plus exposé, ou pas exposé plus souvent sur les à des risques que par exemple dans le monde de terre. Mais j'en gagne dire là, même pour cyclonique là tout, et dans toute technique normes existent, technique existent ou qu'on ait un type de construction qui a bon un type de résistance.
gen un kay ka résister à des vents de force 3, il pas résister à des vents de force 4-5. Vous comprenez ça veut dire qu'on est en fonction de moyens ou c'est qui ça va pas adopter comme limite dans et dans limitation des gars. Tout en mettant l'autre aspect qui est important que vous disiez là. Comme nous sommes pays à risque justement, donc faut nous développer capacité nous tout pour améliorer connaissance sur type de construction. Nous t'es doué en principe dans logique de renforcer tête nous en matière de recherche sur type de construction qui est adapté à risque qui menace nous parce que Haïti absent. C'est des technologies que nous avons portées pour répondre à des risques. En attendant, c'est ça nous qu'a fait, nous faire, mais nous t'es doué tout participer à l'effort de réflexion sur comment améliorer la capacité de répondre à risque. Ça, c'est un bail qui est très important. Mais pour nous prendre l'autre aspect de la question, faut que nous connaissions que nous avons jamais occupé le territoire. Ou parler là de logement, Gaël parlait de logements sociaux, on a remarqué que depuis 2010, pas au courant qu'en tout cas, il y a un gros programme de logements sociaux qui n'a pas eu. Alors que lui, effectivement, paraît normal qu'après un épisode aussi grave que le 2 janvier, nous avons l'autre approche pour la construction. Parce qu'il est clair que chaque grand citoyen, pas qu'il y ait un équipement sismique, même si nous mettons là à niveau 5 ou 6, ce n'est pas possible, nous n'avons pas moyen pour ça. Donc ça veut dire que faut entrer dans une logique progressive de logement collectif. Côté Kounia, puisque c'est logement collectif, ou qu'à mobiliser plus de ressources pour respecter nos mieux. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire, et c'est là ma préponse, je ne vais pas prendre l'aspect politique. Là, je me tourne tout le temps sous lui. Ça qui va après 2 janvier. Nous faisons effort, oui, nous réfléchissons, nous parlons, nous ne faisons pas qu'être congrès ou nomba sismique. Et puis l'émotion passée, business n'a repris terrain. Nous avons commencé à construire au moindre coût pour y aller louer au plus cher possible. C'est ça lié concrètement. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, c'est là pour nous marier justement, ça nous voulait comme pays, hein, avec un projet, un véritable projet qui fait que l'État est capable de capacité, effectivement, avec le secteur privé, à investir dans l'autre mode d'habitat territoire. Là. Si nous ne faisons pas comme ça, évidemment, solution pas parfaite. N'a pas obligé nos prochaines catastrophes de déplorer des pertes. Faut ne pas faire tête nos illusions. Il y a des gens qui ont pu construire caillou mal. Mais au moins, on amorce un mouvement pour que bah, la changer. C'est ça qui dérange. Le moment passé, pas rien qu'à moi, c'est soulevé. Nous retournons en arrière et nous faisons même bac par rapport à Jeanne avant. C'est comment on n'a pas amorcé ces changements. En 6 jours et aujourd'hui, nous avons dit, bon, après 2 janvier, eh bien, nous construisons 500 logements collectifs. C'est déjà un premier bilan. Nous avons dit le passé. Même quand dit ça, nous avons dit, très bien. Vous dites, mais qui dit qu'on fait, qui opinion qu'on gagne par rapport à Jean gouvernement à gérer la prématurité? Je ne vais pas opiner sur ça. Quand on a Mathieu fait. On a regardé l'essentiel, c'est que nous faisons des warnings, nous faisons des avertissements. Quand nous dit attention. Attention, parce qu'on n'a pas fait pour qu'on tout. Nous dit nous bien contents que nous disons point leadership là, ça c'est important. Pour tirer le son de 2010 là. Ça son point nous baillons, on crédit. Est-ce que j'ai un page gilet qu'on senti que nous avons leadership? Mais pour ne pas vous monter, m'attendre. M'attendre pour me garder que sa réalité aille sous terrain. Deuxième bagage, moi dit que les fondamental que compte tenu de niveau que l'État nous a gagné, faut nous pas faire nos illusions pour que très vite nous étant déjà dépassé déjà pour que nous pas retrouver dans l'autre catastrophe parce que l'autre jour nous t'a dénoncé catastrophe ONG qu'on y a pour pas retourner nos malédictions de l'État haïtien comme si nous pas qu'à faire nous pas bailler réponse. Et pour cela nous parler de coordination. Nous parler de tax force, nous parler de mettre vos soucis ensemble. Alors, je devais un point important que je devais souligner tout à l'heure. Pendant que nous avons parlé de faux gouvernement, moi, je signale par exemple, de manière très concrète, que nos facultés des sciences, après 2 janvier, nous montons un programme pour renforcer l'enseignement justement dans le génie parasismique. Mais au moment où on parle là, c'est pas le gouvernement, c'est lui-même qui prend l'initiative, organisé à travers le CLBP, il fait en pile conférence sur question construction parasismique. Même pas, bah, je n'ai aucun responsable l'État, non. L'État lui-même connaît l'existence. En dans l'université, parle de programmes comme ça, par investissement non, qui fait pour aider le programme. C'est faculté qui a dégagé le pour contre les joindre des fonds pour être capable plus ou moins
m'a dit mes taxes sous formation ni pas assistant là. Donc c'est ça la réalité. Donc on va pas le dire son problème de compétence encore une fois Gaël. Son problème de choix. Pas rien quoi pour bailler ça dans le pays. Faut clair sur ça. Gaël Benson, est-ce que jusqu'à présent non satisfait de façon que le gouvernement a géré l'après-mature. Bon, je dis là, bon, moi qui est j'aime moi déraper là. M'a gain détail parce que quand on m'a un plan, m'a pas qui plan à exécuter. Baronné, donc moi mais qui est c'est non seulement mais qui est sous ça qu'a fait là m'a connait si l'a fait professionnellement qui je l'a fait est-ce que l'a fait est-ce que les priorités sont bien définies est-ce que les zones qui sont très affectées yo déjà touché m'a pas connait il secret il pas normal et puis gon portion qui l'a besoin aider qui chita des bras croisés pas qu'a faire rien personne pas connait qui ça pour faire monde qui veut faire et puis m'a connait moi même m'étais inquiet m'a attendre que yo ouvert boîte secret yo que plan vienne public et puis laisse ça m'a opiné et m'a ka été venu tout très bien Woody Edme émission censée toucher à fini le dernier mot OK donc nous sommes bien content avec monsieur là réfléchir ensemble sur pays là nous t'aimer que premier élément que nous partager que vraiment partager commencer atterrir parce que c'est toujours problème dans ça c'est que nous déplorer nous fait colloque nous fait bilan mais nous pas avancer et me penser Christian Soud par exemple très concret n'a prêté sous lit programme parasisme génie parasisme faculté a manqué financement c'est au premier geste concret pour nous faire est-ce qu'on comprend c'est investir dans science dans pays noir parce que c'est science qui va permettre nous faire face avec un projet politique et une vision faire face à géographie ça que nous gagnons tel ça que nous vivons là que nous disons remets pour nous habiter convenablement mais il faut nous développer des outils qui permettent nous habiter là Gaël Benson émission touchée à fini le dernier mot bon moi merci de encore pour invitation moi merci de confrères vous dit avec Christian là nous font bel échange nous gagnons pile complémentarité nous fait de nos mieux nous bail gouvernement en pile conseil ouais nous pas critiquer nous pas le conseil nous t'a souhaité que vous mettez conseil en application pour sauver la vie de nos frères et haïtiens et nous t'a souhaité tout que boîte secrète que plan secret ouvert pour nous capable agir pour nous capable diminuer le nombre des victimes parce que moi-même ça plus préoccupé c'est sous mal approché ça après Mathieu et mais tout pour la voine épidémie tout bagarre les monde commencer quitter province ça venir et ben tout pour la voine et c'est ça que me bataille m'écrivé ouais donc merci beaucoup encore et nous t'a souhaité que le pire va arriver. Très bien, Christian Rousseau, le dernier mot. Bon, et bien dernier mot, alors, encore une fois, il va aller directement dans le drame et vivre le jeudi qui c'est conséquence mature. Donc, question primordiale, là, c'est que le gouvernement informe nous de qui disposition il prend d'abord pour le plan d'intervention. Je pense que même dans l'élaboration plan. Les cas déjà fait appel à des ressources, s'il manque des ressources, même dans l'élaboration plan. Mm-hmm. Et qu'on y a là défini, nous disons des outils, je dis, qui permettent aux capacités, avant même qu'on soit terrain, qu'on fait des prévisions, qu'on peut pas mettre des centres d'intervention, qu'on peut là-dedans, non seulement équipement, mais qui est capable de loger des ressources humaines, pour avoir effectivement capacité à aider les gens sur terrain. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, aider les gens à reconstruire, éviter à reproduire et trop m'a dit à bout provisoire qui pral recréer des problèmes que Gaël t'a souligné tout à l'heure nous pas prêter longtemps pral un mouvement encore une fois vers la capitale donc nous penser que si conseil ça nous même nous trois là nous même m'pas quoi nous intérêt financier quoi que ce soit dans ça n'a pas dire sont des morts citoyennes et nous espérer que quelque part malgré réserve nous gagner sous histoire différents gouvernements nous espérer que fois ça nous cajonnons un minimum de réponses concrètes du gouvernement. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile loin, pile fond, côté une table accueillie, trois invités de marque, Woody Edme, qui c'est éditorialiste et qui c'est au professeur, Gaël Pinson, qui c'est président directeur général de Pinson SA, président et directeur exécutif de la Fondation Secours Gaël Pinson, ancien chef pompier dans l'aéroport international Toussaint Louverture, spécialiste en gestion de désastres, et Christian Rousseau, qui c'est ingénieur,
prof à l'université, même parti politique, Eulia Carouan. Sous table contrôlant pour les manœuvres techniques, nous avons notre grand ami Wilkie Bonaventure. Et en backup, à réalisation de mission, nous avons Enoch Charisma et Denis Kaivi Fleur. Et moi-même, madame, monsieur, nous avons honneur de recevoir distingué invité, ça, on n'a pas, c'était Laure Higo. Merci de nous avoir écoutés et nous souhaitons bon dimanche. Olapalais.com.